Ce dimanche 2 avril est la journée mondiale de l'autisme. Invité sur le plateau de Télématin, Samuel Le Bihan en a profité pour faire des révélations sur les progrès réalisés par sa fille, Angia, qui souffre de troubles autistiques. Cela fait maintenant près de 10 ans que Samuel Le Bihan incarne le héros de la série Alex Hugo. CST pour évoquer les tournages de la fiction qui cartonne sur France 2 que le comédien était présent ce dimanche sur le plateau de Télématin, mais pas seulement. Alors que le 2 avril est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, l'acteur est venu pour parler de la naissance de la maison de l'autisme à Aubervilliers. Un sujet qui touche particulièrement ce papa de 3 enfants. Sa fille Angia souffre en effet de troubles du spectre autistique, comme il l'avait déjà dévoilé dans un livre et plusieurs interviews. C'était important pour moi en parlant de son propre vécu, Samuel Le Bihan veut poursuivre le combat des autres parents qui l'ont aidé par le passé grâce à des associations. Ils se battent pour faire avancer la France à ce sujet, a-t-il expliqué. Avant d'ajouter, moi, ça a vraiment permis à ma fille de progresser. D'ailleurs, le compagnon de Stéphania Christiane n'a pas tari d'éloge à son sujet, on se bat pour quelqu'un qui transforme notre vie pour le meilleur. Ce sont aussi des moments difficiles, mais il faut savoir que ma fille a énormément progressé. Elle est en sixième. C'est un grand espoir pour beaucoup de parents. Des progrès impressionnants si ses camarades n'ont pas toujours été tendres avec elle, Angia est désormais très épanouie. Si est une petite fille qui est complètement intégrée, elle est sage à l'école. Elle est au niveau scolaire, elle a des copines, a précisé son papa. Bonne vivante, la fillette multiplie les activités extrascolaires telles que la danse et le piano. Elle a son monde à elle, qui est différent. Si est un soleil aussi, ça éclaire les autres. Elle est très honnête, très enthousiaste. Si est une vraie super copine, elle ne calcule pas, elle ne triche pas, elle n'a pas de stratégie avec les autres. Elle est entière. Si est une leçon pour moi, une leçon de vie, a confié Samuel Le Bihan, qui a joué dans un téléfilm sur l'autisme. À lire aussi Samuel Le Bihan, Alex Hugo, à nouveau en couple, ses rares confidences sur sa compagne Stéphania Christiane, article écrit en collaboration avec 6 médias.